Et nous avons essayé à faire une comparaison par rapport ensemble avec un président qui sorti dans le continent africain, qui c'est président William Ruto, qui était monté dans Washington DC, il était recevoir président et où le tapis rouge pour lui, tourner les jeunes plus passé 250 blindés, au courant moins, plus passé 16 hélicoptères, plusieurs milliards de dollars américains. Ça veut dire que c'est de gros bagailles qui, que les Américains peuvent collaborer ensemble avec, pour l'aider et pays Kenya. Et nous-mêmes, nos déplacements qui fait avec le premier ministre et qui nous connaît, qui alors, qui ses amis de gros palto, de gros fonctionnaires dans le gouvernement, et président Biden, non? Et bien, président, alors, premier ministre, arrivé l'autre bon, hein? Rivel, il dit, je nous support qui c'est 40 millions de dollars américains. 40 millions de dollars américains, ça on pète. Ça c'est, même Jean, sénateur André Chichet de Dil, c'est un cacara. Pour un pays, ça c'est un, pour moi-même, comme si pour un grand monde, Léon Cob. Mais pour un pays, il va Cob. Mais par conséquent, si c'est mandé, n'a pas marché mandé, ça on l'a gagné en cuir, c'est merci pour dire. Ça ou la gen en cuir ou c'est merci pour dire. Pendant que Haïti a marché chercher 40 millions de dollars américains, bien encore un petit bol blé, a gardé qui ça moun a mettre là-dedans, et bien Haïti gagne environ 10 familles dans le pays, qui a fait plusieurs dizaines de millions de dollars américains chaque mois dans le pays. Ok? Il y a des oligarques qui ont fait plus de 90 millions de dollars américains dans le gaz seulement. Gen kap fèl nan électricité dans pays ya, gen kap fèl nan port, nan aéroport, nan contrebande dans pays ya, l'état pa vle men kontrol sou ça. Nou plus plutôt ap mache an bol blé pour n'ap mache mande tout côté et puis nan kap riche dans pays ya, tout moun ap gade yo la. Docteur Koni, ou pral parler avec pays ya. C'est normal, ou sorti, ou gen bilan pou bay, nou pral fè peuple attendre ou. C'est très intéressant. Nou pa gen bolon avò du tout. Sauf que ça qui est important pour nous c'est que c'est gonfler pour être nous comme peuple. Situation que n'ap viv jounen jodi an, nou pa nan tete lang avec personne. Il s'agit de situation pays d'Haïti. Alors, la compliquée pour nous, mais faut nous caler les yeux, nous, peuple haïtien, pour nous garder comment travailler des têtes, nous, sortir, dans ce qu'on trouve. Voilà. Et avant que nous attendions Dr. Gary Koni, nous venons pour nous parler de. Et gros bout de ton déclaration, ou bien intervention, que. Et Jimmy Cherizier, et Barbecue, qui réitérait, même déclaration qu'elle t'a fait dernièrement, côté qu'elle t'a dit que. Lui lancer un appel au dialogue. Lui demander dialogue. Il m'a des dialogues pour yon jouer en entente. Barbecue finalement, tout de suite après, yon intervention que Dr. Gary Koni sot fait dans RFI, quand elle dit clairement, journaliste a posé la question, son appel Jimmy Cherizier Barbecue est lancé pour que yon te jouer en dialogue. On entend pour nous pour yon te dialoguer, pour déposer les âmes. Dr. Gary Koni te répond favorable, façon qu'elle te répond dans l'éclair. Il dit que c'est déposer les âmes, reconnaître l'autorité de l'État, et puis automatiquement par la suite, il y a une possibilité pour que ça qui vient après, qui se dialogue là. Et tout le pays a chauffé, tout le monde net, ce n'est pas de ça que aucun bé. Justement, les sociétés en pile débat, pas oublier, l'on parle de gang criminel assassin, gang à sa patte. C'est des criminels, notre droit des terroristes, qui ont kidnappé, qui ont violé petit, qui ont violé madame Moun, qui ont tué papa petit, qui ont tué petit bébé, qui ont mis du feu sur Moun. C'est des gens qui ne sont pas pardonnables. C'est comme ça que nous sommes. Mais par conséquent, pour capable résoudre le problème, bien, il faut qu'on généralise le cas. Est-ce que si gang a sa patte, plus criminel que Nenel Kassi? Est-ce que le plus criminel que Gilbert Bidjo? Est-ce que le plus criminel que Edouard Bossan? Est-ce que le plus assassin que Reynold Dib? Est-ce que le pire assassin que Joseph Michel Matéli? Automatiquement, on commence là. Parce que gang nan gen 3 étages. Étage 1, les oligarques corrompus. Étage 2, la classe politique traditionnelle d'assassins. Étage 3, qui se gang à Sapatio qui a terre, qui a volé bagay moun, qui a boule bagay moun, qui a kidnappé moun, qui a fait toute qualité sa kalonet pour dollars américains capable d'aller dans le premier étage là. Qui se bank oligarque yo. Parole sa yo, n'a yo pas parlé pour vous. Mais nous-mêmes, responsabilité nous, c'est de vous comprendre. Et de vous comprendre pour capable qu'on est avec qui est-ce qu'on a fait. Et l'autre dossier pour moi, alors, ma fonte intervention sur lui, avant que nous rentrions dans pour des presse, Dr. Gary Koni, que monsieur que n'a pas été ici parce que nous avons critiqué nous
pour nous faire un espace commentaire là, faut nous tendre et intervention tout d'abord pour que nous capables faire commentaire que nous devons faire. Il est extrêmement important. Maintenant, nous j'en en pile et compatriotes haïtiens qui voyaient pour nous un bel établissement, un bel building. Yo dit nous qui coûtait 60 millions de dollars américains que Bishop Grégory Toussaint construit dans l'état Floride aux États-Unis d'Amérique. Et en pile monde a fait des bas sous lit. Moi regarder des commentaires tout dans les que vous voyez pour moi. Moi voyez en pile critique. Moi en pile haïtien critiqué. Il y a monde qui dit communauté haïtienne c'est les mêmes qui plus pauvres États-Unis d'Amérique. Au lieu de construire maquette fait de l'autre bagaille, c'est l'église qui a continué y a construit pour plusieurs millions de dollars américains. On pas quelques paroles qu'a parlé. Moi tendez me présente me lis les commentaires. Même je n'en pile commentaire tout. Côté que mon yo bat bravo. Il y a monde qui dit moi me contribuer. Grâce mon Dieu me contribuer. Yo bat bravo, ça veut dire que m'a essayé garder deux sons de cloche et puis pour moi même pour plus ou moins comme haïtien pour me dire bagarre. Mais tout d'abord ça m'a dit m'a pas venir positionner sous dossier ça, mais m'a parlé de alors n'a parlé de Grégory Toussaint. M'a dit chaque frère avec somme cap tendez m'cap garder là et c'est si tout le monde connaît que m'bajem qu'on a chez Figimoun vérité m'a dit Jean que lié haïtien m'a dit nous ça jodi a apprendre bay valeur avec haïtien pareil nous apprendre valoriser frère haïtien pareil nous les nous ayo atteindre une dimension tout d'abord automatiquement nous capable faire ça comme dépassement de soi connait ko ou doit valoriser yon moun ki nan entourage ou k'ap fè effort ou doit faire tout effort ko capable pour parail remèl pito ou bien prend exemple sou li respecter l valoriser l automatiquement capable faire ça yo comme travail la caillou me garanti ou tout ça qui était devant comme obstacle bon diable débarrer ou de ça pour tout piège qui t'attend pour bon diable débarrer parce que cœur vinn propre ou retirer toute vieille haine qui était la caillou ou pas j'ai avec cœur bon diable béni ou n'a pas de Grégory Toussaint. Grégory Toussaint c'est un pasteur haïtiano-américain. Ok? Grégory Toussaint gagne l'église dans plusieurs pays dans le monde. Là. Pendant que le pape présent, il y a audiovisuel. En Dominicani, Mouel, il gagne le Santiago. Moun yo toujours à intéresser, partager ça au gagne comme offrande. Mais offrande, son bagay qui volontaire. N'a pas de 60 millions de dollars américains pour construction yon l'église qui gagne en pile espace. Ça m'a regardé à moi son bagage qui belle en pile. M'pa konnen, m'pa expert dans domaine nan, m'pa konnen sonorisation combien comme il ka coûter, m'pa konnen comme si m'pa doué à le faire ça tout. Ça c'est l'agence a parlé sous dans pays nan alors États-Unis d'Amérique. Si t'as un contrôle qui pou mettre, nous pas même qui mettre le même l'état américain t'a qui questionner. Pasteur Grégory parlait, dans un premier temps, il parlait de 45 millions de dollars américains. Maintenant, il vient parler de 60 millions de dollars américains. Moi, je critique. Premier bagage que je dit, moi, songe match international ou bien soulevé campé international dans plus de 67 pays que Pasteur Grégory Toussaint te mette moun de yo. Bon, quasi 66 pays, haïtiens, dominicains, pas de chance pour la rue, mais ils ont mobilisé la caillou. Ils sont en direct sur toute plateforme. Si Grégory Toussaint capable de mettre moun de yo, haïtien ou étranger, dans 66 pays ou bien 67 pays, on seul coup, dans même l'heure, ok, à parler même parole, avec même couleur maillot, même message qu'a lancé. Si Grégory Toussaint, comme yon haïtien natif natal, capable de faire qualité de travail ça, m'a demandé ou même, frem, sem, kap tandem, kap gadem la jodia. Li son pasteur l'église. Priorité, vision, le rêve li. Peut-être c'était qui doit ouel,
dans un plus gros établissement qui gagne dans le monde là pour moun adorer bon Dieu. Moi-même qui gagne micro aujourd'hui, rêve moi, c'est que je gagne une plus grosse chaîne télévision dans le monde là. OK? Pour que tout haïtien capable vini pour dire ça, c'est yo qui contribue, qui construit. C'est yo qui collabore, qui construit. C'est comme ça que mouel. Le ça, aïe, c'est pas besoin comme si m'a dû passer, ou besoin passer un message ou à venir dans station Paul, ou contribuer, mettre l'argent là, l'abservi communauté, nous contribuer pour nous construire. Grégory Toussaint, comme pasteur, qui bishop, je ne j'ai dit, révérend pasteur Grégory Toussaint, ou pasteur Mkadi mondial. Eh bien, s'il est capable de mettre haïtien ou étranger de yo dans plus de 66 pays, dans une seule date, dans un seul moment, à parler une seule parole, 60 millions de dollars américains, pas yon pipe tabac. Moi, je veux que chaque grand dans nous, capitaine de Cap Gardien là, connaît ça. Si pasteur Grégory Toussaint capable de faire appel avec haïtien qui dans plus de 60 pays sous la terre, qui accompagne de étrangers, li capable mettre yo de yo non seul date nan même le avec même maillot a parler même parole, moi garanti nou 60 millions de dollars américains ça pa vaut rien pour Grégory Toussaint, pour communauté ça que li même li influencé ya que ou bien assemblée ça yo qui l'a dirigé yo. Et m'vle faire nous connait que nous c'est black, peut-être nous qui n'a pas gen même mentalité avec les africains frère nous yo africain nous yo. Dans le côté africain, mais comment ça, mais comment mouel? Et qui on a côté que moi-même m'a. Alors, m'intéresse pour m'aller visiter, c'est Nigeria. Dans la zone d'Abido, parce que je suis fanatique d'Abido, moi mets d'Abido en pile, whisky. Est-ce que vous comprenez? Et monsieur Sayo. Et Rema, Bunaboy, comme si m'envie à l'an pays nek Sayo, pour m'aller yo, pour m'ouer côté yo. Faut me faire effort pour me faire. M'a dit nous que yo respecté moun entourage yo qui grandit avec yo, qui leva avec yo, qui est l'école m kote ensemble avec yo, qui grandit économiquement, qui réussit dans la ville. Moun sa yo grandit, li pa jam kite équipe ça parce que équipe la pas frustré. Yo respecté l. Et m'a dit ça, m'pa mande nous pour nous faire dans communauté pa nous parce que pas notre li pa notre tradition non. Est-ce que vous connaissez Dabido? Il y a des amis de France. Quel gagne, qui levé, qui grandit avec elle, qui fait tout pas quoi ensemble avec elle. Yo style rete zamil. Et ou konnen le Dabido au côté. Zami sa yo, par exemple, font 2 mois. Ou bien 1 mois et demi ou pas ouais. Est-ce qu'on est le Dabido chita en côté ou bien marche en côté? Zami sa yo, pour venir saluer Dabido, pour yon sa yo fait. Yo descend à terre en pied et puis pour Dabido levé ou monte pour yon saluer. Maman de nous pour nous faire ça. Parce que nous avons connu que Haïtien pas nous pas nous pas la caille nous, pas personne qui a fait ça. Et nous pas baisser tête garder, nous pas baisser tête pour personne. C'est tempérament pas ça comme Haïtien. Parce que pas oublier, nous sortis dans l'esclavage, que des misères que nous faisons passer, c'est forcer de nous forcer nous mettre tête nous à terre pour battre nous. Et bien, nous lever tête nous, c'est écraser, nous crasons l'armée. On la met tête chargée pour que nous prenions des bâtons nous. Depuis là, ça nous garde tout le monde dans les yeux. Nous pas jamais peur de monde. Moi, connais ça la caille nous. C'est pas dire que me dit pour nous baisser tête nous garder personne. Et même dit nous que pasteur Grégory Toussaint influence monsieur la communauté hein, lui montre nous à clair que pas rien que monsieur besoin réaliser dans communauté a li pas ka réaliser. Pas rien que monsieur t'a voulu aider nous faire dans communauté a pour pas aider nous faire. Mais sauf que mon a des priorités. Il est important pour que nous comme ça. Et en pile débat dans la société là par rapport avec l'église là. Monsieur, si c'était dans le continent africain, tes grands pasteurs africains t'es réalisé gros coquin chaîne l'église là dans l'autre pays, alors ou bien en Afrique. Li pas vibe ça m'a regardé là bon côté non. C'est comme si m'a dit gen des monde qui commenter qui même fait ça qui même qui go énergie monde dégager, li même force senti que Grégory était supposé prendre retirer le dans misère pour te et pour comme si pour pas pour projet pas de construire. Non.
m'a dit ça journée jeudi a fait tout ça qu'on capable pour c'est ou même qui était tout sorti. Il était tout sorti comment? Ou n'a pas capable ou même personnellement avec tout le monde besoin moun ba yo les bras. Mais retirer haine dans cœur. Retirer haine dans cœur ba l'amour avec chrétien vivant pareil. Et puis mon Dieu dans celle-là a ouvert porte pour. Ça me banoul comme secret. Alfel ou pas même vienne demander me là même ou a toujours un résultat. Grégory Toussaint, bravo. Bon baton petit bravo. Pour pasteur Grégory Toussaint. OK? Voilà. Un baton petit bravo pour pasteur Grégory Toussaint. Et m'a dit le continuer. Li ka aide nous plus toujours parce que me senti ça, li gen capacité. Et y a pile bagay ki capable aider nous gérer dans communauté ya. Et m'a dit nous ça honnêtement peuple haïtien. Je dis c'est le moment pour que nous t'app essayer et permettre tout alors van haïtien k'ap fè ki font pile effort dans communauté ya. Et me souhaite que ou pas peur parce que gen effort qu'on fait comme haïtien, haïtien pareil ou doit tendre ou mon a parlé de ou et tendez ou tout pour au moins ou ta partager un petit cas l'expérience ensemble avec yo ou doit utile comme communauté a que des connaissances comme si m'a dit moun qui gagne dans communauté a on pas supposé rester pour mourir avec Shirley avec haïtien c'est pas tout haïtien qui va aller apprendre il y a pile haïtien sûr c'est majorité haïtien qui parle pour apprendre connia parce que ouais état que c'est parce que pas apprendre rien mais yo croit que faut que petit tu apprendre petit tu gagne volonté quelque part on nous met tête nous ensemble comme peuple. Trop division entre nous. Nous jappé une l'autre, nous attaquer une l'autre trop. Ou même peut-être qu'a critiquer, moun kan dans l'église dans les mêmes pas critiquer, il va critiquer. L'autre t'a bay $1,000, $2,000, $10,000, $100,000, ça va déranger parce que lui même il croit que c'est prier le bon Dieu bénil qui cause capable de $200,000 à $300,000 américains pour contribuer nos projets dans dimension pareille. À nous essayer retirer ça parce que nous avons trop préoccupation. Nous garantir parce que ça yo, on a fait, nous pas nous perd du temps. Pour nous focus sur la situation du pays d'Haïti, et puis nous avons perdu dans nos bagailles, qui pas. Qu'on ne peut pas bloquer. Pour qui était retourné pour le bloquer. Mais moi, c'est une belle bagaille que lié. Bravo. Avec pasteur Grégory Toussaint, l'Oga de Boué, il y a un drapeau Haïti, il y a un drapeau américain, et bien dans tête l'église, et puis on dans son bagaille standard international. Waouh, franchement, moi-même, pour le visiter, et me suis que, il a joué dimanche. Prochain qui vient là, on a supposé font passer ouais et pasteur Grégory Toussaint. Si me déclare ouais, t'as content bal la main, ça t'a fait un plaisir. Et si vous avez mis cap tendez là et passez message à moi, t'as content bal pasteur Grégory Toussaint la main et forme dal ouais. Et me salue tous les amis qui marchaient dans l'église Shekina. C'est tout belle et building ça. M'a content à le visiter et m'a envie aller dans un moment côté que l'église là a fonctionné et m'a préparé ça pour moi. À partir de dimanche qui vient là pour moi si m'bata aller l'autre dimanche et n'a pas gardé pour nous t'ava organiser ça. Me salue tout le monde en général effectivement qui qui dans la grande famille Shekina. M'a dit nous Kembela bravo pour nous pour Goko Kenchen réalisation ça. M'a dit nous Kembela et Grégory Toussaint capable aider en pile dans communauté là faut que nous valoriser yo monde d'un coup Johnson Napoléon yo capable aider en pile dans communauté là faut que nous valoriser yo. Nous jeunes en pile haïtien qui a fait effort dans la communauté a Maraville mais et c'est des monde qui toujours présent pour communauté a faut que nous valoriser yo et gagnon madame que m'étais rencontré alors m'a profité pour me saluer désolé m'pas songe non hein li dit me c'est madame et maire et Miami alors pas songe qui côté non une responsable une haïtien qui autorité ici aux États-Unis d'Amérique m'étais rencontré les dans funérailles petite Loco Désir là et qui était fait et dans tout près zone ouest pam c'est pas trop moi. Et m'te salue madame nan. Alors m'a salue tout haïtien k'ap fè efort nan communauté a. Et faut qu'haïtien retire hypocrisie de côté, pa gen moun ki dwo. Et comme m'a dit nous passer tout moun dwe nou bagay. Non, gen moun k'ap fè efort nan communauté a, efort que l'ap fè a, li ka fè de bagay pou utile communauté a. Mais ou même spécialement ou pa ka rayi moun nan parce que l'pa fè bagay pou, li pa dwo ça. Li ka essayer fon bagay pou tout moun bénéficier. Ça qu'arrivé, yo gonfle point tcho pour c'est son loi pral prend au niveau Sénat américain ou bien Congrès américain, yo même yo gonfle point tcho, influence yo fait ou influencer, combat qui sorti qui aller dans sens nous.
ou pas jamais connaître des dommages qu'a fait et dans gouvernement américain, ou pas jamais connaître ça qui fait la fête. Ça veut dire qu'il faut que nous respecter haïtiens et justement qui dans soit Canada, soit la France, soit États-Unis, soit dans l'autre pays qu'a essayer faire effort, valoriser compatriotes haïtiens pareil nous. Respecter yo, suspendre ti vie bagaille sur haïtiens pareil nous. Pendant que nèg k'ap voler k'ap pays nous k'ap voler k'ap taxe ou toujours quitter leur peuple parler de li et pour prêt pour japper Grégory Toussaint suspend ou prêt pour attaquer Johnson Napoléon suspend parce que connait pas criminel yo pas touyo mon peuple parler de Boulos ou peuple parler de Dimitri Vob ou peuple parler de Bossan ou peuple parler de assassin qui touyé yo président de la République même sous pas ou pas fanatique président mais fort dit que yo pas de droit pour touyé ou pas dit ça yo mon prêt pour attaquer critiquer Grégory Toussaint moi même gagne pasteur Kayo dans Canada. Son gros pasteur haïtien qui a évolué au Canada, dans le pays Canada. Son monde qui représente la communauté haïtienne dans le Canada. OK? Son gros pasteur. Il y a pile de pasteur Frank de Boston. Un pile respect pour eux. Il y a pile pasteur qui nous gagne États-Unis d'Amérique. Alors, il y a pasteur Mallory. Pour moi, il y a des gens net. Il y a des gens comme ça. Pasteur Mallory. Mallory, il y a des gens pile. Moi mes tempéraments, moi mes factions, alors façon monsieur fonctionner, moi mes comme si nèg monsieur gon fougue, monsieur gon alors monsieur son nèg qui gen cran en bon créole, est-ce que vous comprenez? Pasteur Mallory me salue ou et me ta content le mal New York pour que mal visiter assemblée hein, mal saluer haïtien, haïtienne New York qui dans communauté dans New York City. Moi salue pasteur Mallory et pasteur Mallory, moi salue ou, m'a dit que bella. Et me salue tout haïtien général justement et qui t'a suivre inauguration gros coquin chaîne projet ça qui c'est l'église Shekina International c'est pas trop moi pas connait tabernacle de gloire ou bah comme ça et me salue tout le monde salue tout haïtien général cap tande cap garder émission aujourd'hui hein qui c'est 6 juillet 2024 là moi content pour que ensemble avec nous et dans émission ça aujourd'hui c'est de la presse merci beaucoup pour saluer nous à matin c'est que nous samedi. Commencer évidemment à avoir une sympathie à tout le monde au sud qui est à cause du cyclone. Hier, nous avec pensée nous pour eux. À profiter de tout pour saluer famille, amis, camarades, les policiers qui tombent encore une fois dans la base assassine dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. À profiter de vous et sympathie de ma famille. Je veux que la paix en prière. C'est toujours très difficile pour les responsables de rapporter une bonne nouvelle de barreau. C'est que dans les circonstances difficiles, nous avons jusqu'à présent des victimes dans des conditions tout à fait inacceptables. Il y a un engagement. La police a fait tout ça capable. Et nous faisons jamais une situation sérieuse. Moi, c'est suspect. Alors, vu l'enfant que je dirais, c'est pour parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington. Pour qu'ils s'en aillent. Ça nous a cherché, ça nous a voté, et donc ça est important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que les quatre barrières qui vont arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier barrière, c'est que toute société haïtienne est engagée. On a quelques milliers d'hommes qui ont un otage de 12 millions de monde. Nous avons une situation pour des barrières d'élection, nous avons une situation pour des monde qui a souffert. Le premier barrière, c'est que les haïtiens ont une tête ensemble, société civile. Tout le monde vient travailler ensemble pour plus efficace, pour reprendre l'instinct en main, pour réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution va marcher mieux. Regardez-nous que vous avez des institutions là, vous êtes excessivement fragiles, vous avez perdu volonté de travailler, un peu de monde parti. Nous qui pour prendre une décision, l'institution n'est pas là, pour distribuer, pour mettre en zone très souvent. La deuxième partie importante, c'est que nous devons renforcer les capacités instruments nous gagnons, pour être capable d'adresser les problèmes que nous gagnons. C'est une travail très important pour le succès de crise. Troisième élément qui a été mis dans la crise là, c'est comment nous parlons de travail, utiliser un pile de capacité, une pile pour les âmes et les diaspora. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens qui ont gardé Haïti, qui ont pris un craqué et qui ont cherché des gens pour travailler, des gens pour aider, des gens pour supporter, des gens pour accompagner. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise, c'est comment la communauté internationale a accompagné. Cette année, il y a moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons.
en termes d'aide publique au développement, il y a moins que 800 millions comparé à sa dernière, le pays a pas de la situation que lui est. Pourcentage nous gagne en général de l'exécution excessivement bas. Aux jeunes, nous gagnons qui est souvent décousu, pas aligné avec la réalité de la vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'y a pas senti l'urgence de la communauté internationale en comparaison avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, pile l'autre crise à travers le monde, pays qui habitue maintenant à comprendre, il y a même toujours des problèmes qui ont été face à eux. Il y a une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, il l'a donné depuis longtemps, longtemps, l'argent est fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale, là, j'ai besoin d'engager pour qu'à sortir de la crise là, nous avons besoin. Quatre éléments, il faut les jouer ensemble pour nous sortir dans sa vie-là. Voilà pourquoi, depuis environ deux semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères à Paraguay, pour avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon message, pour nous dire que nous avons fait progrès, nous avons avancé. Nous avons un accord politique qui bat le système de gouvernance quatre marches. Nous avons un conseil présidentiel qui est un premier ministre. Nous avons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini la stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État a une vraiment bonne vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liée à son période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet Haïti. Nous sommes capables de venir nous sa Haïti à PCFR pour nous solidariser nous avec nous. Même Jean Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays, le l'autre pays a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié une discussion sur ça. Nous-mêmes, nous partons à Washington. Nous partons à Washington avec le ministre des Finances. Nous partons à Washington avec le ministre le gouverneur de la Banque. Nous partons à Washington avec le ministre des Affaires étrangères. Nous et déjà ce paragraphe vient nous joindre. Pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que. C'est gouverneur Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la Banque parce que c'est BIC vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec les deux pour en discuter avec BIC. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, vous me dites, il y a quatre bagages. L'un garde pour nous un niveau d'accompagnement en Haïti, qui va mener nous pour nous aller. L'un garde pour nous une rapidité avec lequel le décaissement en traite, nous pouvons satisfaire. L'un garde pour nous une contextualisation prioritaire. Nous pouvons tellement voir une tarée de nous. Le but, c'est de rassurer eux, même si vous avez une pile question pour nous. Comment on va l'avancer sur les prochains mois? Est-ce qu'on va résoudre le problème sécuritaire? Un élément que je préfère, c'est que ce n'est pas chita avec tant de problèmes sécuritaires à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a une solution pour côté au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, lorsque le policier soit reconstruit immédiatement, au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre la santé sous pied. Il faut que l'État recommence à bailler à pile à l'institution. Il faut que les programmes sociaux qui pourraient accompagner nous tout le temps. Donc nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en regard, c'est pour engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après la discussion qui fait avec l'institution, le ministre finance avec le gouvernement a arrêté Washington. Pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement soit beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande, grande, grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, on est trois bagages. Un, hein? Comprendre et accepter que pour une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et le même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Je suis d'accord avec nous que nous allons le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur lui, complémentaire à ce que nous allons faire pour restaurer la sécurité. À la fois, ça l'a fait dans la région métropolitaine et ça l'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est tout aussi le premier rapport que nous faisons et nous sommes très, très sortis, contents de ça sorti de nous. Plus particulièrement, Bibi, même dis-nous, bien content de nous dire là, parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite, 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 vite,
pour nous comment nous avons réinvesti le moment pour compléter soit dire que c'est le recouvrement, l'accompagnement du développement qui est indispensable pour nous faire progrès dans la question sécuritaire. Donc sur ce point, c'est l'une des au moins bagages que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, l'institution sérieuse en général, il y a une pile d'influence. Il y a une pile de convaincre l'autre que effectivement ça est bon et ça va avancer. J'ai l'impression que nous sortir dans la discussion avec des gens qui, je dis, sont beaucoup plus convaincus que Haïti, bon côté de Valais, les bonnes directions, les populations à supporter et le pari eux-mêmes pour les engager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Donc, on est que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs. Côté que l'intervention est excessivement importante pour le succès, j'aimerais dire la transition. Nous faisons des discussions très très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est qu'on va équilibrer après, c'est qu'on va équilibrer commencer déjà la planification. Donc l'urgente nécessité pour travailler ensemble, au fur et à mesure que le reste contingent va finir, on va perdre du temps pour renforcer la capacité pour l'histoire, pour investir là-dedans, et ça, il y a une urgence de le faire. Et même dû des grandes questions pour nous, qui pourront y aller à faire élection. Comment dégager sous l'autre priorité qui était baïtée, comment avoir un jour en faire sécurité. Comment on voit 5 grands chantiers, comment on va réaliser. Et tout est plus ou moins rassuré, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, on voit le niveau d'engagement, les promesses que vous pouvez aller, mais pas seulement pour y aller, pour y aller vite. Parce que l'une des leçons apprises sur les derniers mois et dernières années, c'est que même l'engagement, il faut trop de temps. Il faut que nous habituions. Peut pas ici à l'un pour engagement, nous disons qu'il y a pris de telle date pour arriver à date ça. Voici l'étendue des discussions qu'on a eu à Washington, côté que renouveler l'engagement de l'accompagnement jusqu'au bout, de prendre note du fait que nous avons une urgence, de accepter le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini. Alors, désolé, je ne sais pas si nous entendons son bien, parce que c'est des jeunes qui ont pris le code sous téléphone. Mon n'a pas de téléphone dans devant docteur Gary Konian, c'est à distance lié avec téléphone là dans espace là salle vinn fait que son pas sorti bien, mais nous on pense que nous entendons parce que nous entendons petit caldo et que son pas fin trop agréable et mais n'a essayer faire effort pour que nous entendre et plus parce que n'a entendre parce que si pour nous parler sur lui faut nous entendre on nous fait effort côté de l'année et expliquer comment même il y a qu'à accompagner mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur la question de sécurité. De Washington, nous traversons la New York. Nous devons parler avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le même Conseil de sécurité, côté bien, dans une certaine mesure, des scepticistes sur le succès possible de l'accompagnement ça et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïti, il n'a pas de responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoir de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, est excessivement bien reçu. En marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et Mambico Sorti organise une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagne Haïti. Des pays que nous ne pouvons pas engager en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis en tant mieux son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons, c'était pour l'accord là, et comment nous allons avancer sur ça aussi, ça a été excessivement bien reçu.
les pays qui, je dis à la, justement, évacuer l'ambassadeur à cause de situation sécuritaire, engager un pour retourner le plus rapidement possible. Mais indépendamment du fait que l'on va retourner, il va l'écrit capital, il va dit capital, qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sur table là, parce que Haïti a besoin d'accompagner ça. Évidemment, en réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons pour rencontrer les éléments clés de la diaspora. Le passage à Miami, le Congrès de Révolution organisé pour nous, une rencontre avec tous les élus qui sont d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très, très, très pratiques sur comment la diaspora va impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que pour une bonne vision, nous rassurer que pour un projet, que la population haïtienne a acheté un projet, que c'est le moment où nous sommes engagés. Et nous faisons toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby sous autorité américaine, pour assurer que l'accompagnement nous a besoin. Mais nous venons tout, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, pour que nous resensibiliser Diaspora autour de la question haïtienne, pour que nous puissions mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que j'ai cherché support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas une situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou bien tout sort, tout outil ou bien boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas pour faire mal. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, là. Mais nous profitons tout pendant que nous sommes à Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur la question passeport. Il y a des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui ont souffert, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Voilà. Mes messages là, et je dis bravo. Bravo avec le ministre des Affaires étrangères là, Madame Dominique. Et bravo avec tout Haïtien tout qui t'a aidé nous. Fait message l'arrivé côté pour le arriver là. Sur dossier passeport et docteur Gariconi qui c'est premier ministre en même temps ministre intérieur parce qu'on connaît affaire passeport c'est ministère intérieur qui coiffe et dossier immigration dans le pays d'Haïti. Nous t'es vraiment et dit dossier ça lié important. Ça nous pas dans ça fait tendance politique ou pas question bagarre gourmet opposition politique. Non, nous besoin pour haïtien qui dans diaspora jeune passeport à temps. Si docteur Gariconi là l'a touché comme premier ministre, l'a touché comme ministre extérieur, c'est l'argent payé, peuple qui paye, fait travail là pour le peuple là, aidez-nous jeune passeport. C'est volonté politique qui pour gagner, c'est volonté. On le groupe qui vient là sur Ariel. Yo volé. Yo pas été là rien. Après ça, on vient de aller. Tout le monde commence à oublier yo. Mais quand y a moi Ariel a marché dans un chien dans Miami, alors dans les États-Unis, on qui côté, on met. Et puis l'argent payé a fait en caisse comme si stocké dans des banques en Haïti et banques à l'étranger. L'on est prend tête l'État, font bagay. Au moins, qui ton bagay pour petit tout. Docteur Gariconi a parlé sur le dossier passeport. Important. Nous faisons une réunion à l'ambassade là, avec l'ambassadeur en compte, mais surtout avec le directeur d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition là, pour la semaine, ça même pour assurer que très, très, très vite, question passeport, pour essayer de débloquer, parce que ce sont des problèmes pour Haïtiens à travers le monde. Donc, en gros, peut-être si nous faisons un résumé de nous, mais ça qui est dans le voyage là. Et évidemment, moi, tout à fait ouvert. On dit un nombre limité de questions. Ouais. Trois questions. L'Obli, la femme d'abord. Merci. L'Obli Stanley Dumas, PDG M2 Web Media. Alors, PM Koni, en tant que chef CSPN, vous souhaitez faire un voyage important et nous parler avec le département d'État sur la question de sécurité. Et okay. Nous avons une présence contingent policier kenyan qui est dans le pays depuis environ deux semaines, qui effectivement a commencé à travailler. Deuxième question, voyage, au premier voyage officiel PM Gariconi avec quelques membres du gouvernement l'a soulevé en pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'assembler pas gagner guitare CPT1 avec primature pas bien accordé qui sont à répondre sur question ça pour élucider pour population. Merci Lobby. Sur première question, donc très important. Lundi, on fait arrangement pour le chef police là avec le chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous pour nous dire exactement ça qu'a fait, ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous parler, il y a un bilan.
Donc, on a bien chef police là avec chef contingent témoin et probablement ministre de la justice là tout. Donc, on a bien beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, j'en m'ai souligné, j'en ai dit, la police n'a pas jamais suspendu faire opération, la police n'a pas jamais suspendu le travail et a continué faire opération, a continué le travail et qui est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous et de côté que vraiment nous pouvons que nous réfléchissons. Deuxième question, effectivement, madame là-bas, nous avons la front, pas tête, pas l'empile. Ce que nous avons dit, nous sommes sûrs, ce que nous avons dit, nous sommes sûrs, c'est que nous avons une nouvelle bagarre. Nous avons écrit CPA à temps. Et CPA évidemment recevoir l'être nous attend. Et comme je le fais en plus de l'être nous voyons, m'assurer que nous voulons texte chaque CPA en particulier pour nous dire que nous voulons l'être nous. Si jamais nous pouvons recevoir l'être là vini, mais voici dans quelles conditions que moi je parle, voici pourquoi je parle. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus de choses. Mais nous-mêmes, nous connaissons que administrativement, nous faisons tout ça que nous avons fait et nous sommes informés en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Nous avons l'occasion de nous dire que, encore une fois, c'est dimanche qui a été dans le cadre de coopération externe. Et évidemment, du ressort du gouvernement qu'on a discuté du partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, tout est disponible pour des bails CPA, pour des comptes rendus sur l'état d'avancement. Et discussion si jamais vous devez gagner. Mais nous voyons les discussions encore, je vous avais dit lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous parlons de problème, comment communication on a fait pour que toute partie est responsable. Un cas tout vraiment, vraiment, et même les personnes de ça, jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec ces pairs excessivement, excessivement constructif. Et nous-mêmes persuadés que nous continuons à avancer pour délivrer pour le peuple haïtien. Et Macajou. Bonjour PM, bon retour à Port-au-Prince. Je suis Jean-Alain Macajou de la Gouverneur de la Chine de l'Info. Et vous avez nommé Germain qui fait semaine ça avec tableau à l'appui de 2017. Et financement, ça aide tout le niveau de développement. Il va arriver à concrétiser, il va réaliser. C'est un peu le mécanisme, c'est souligné la haute insatisfaction. Habitué des institutions internationales pour le loyer. Est-ce que nous avons des